attendez. D'accord. Je suppose qu'on va devoir discuter avec le robot. Je pense qu'on a tout fait, le tour. Allez, on va discuter avec elle. Attention, en raison d'un problème de sécurité majeur, ce système est en alerte rouge. Préparez-vous à une vérification d'identité. Tentative d'identification d'utilisateur d'accès local. Échec de l'identification. Ce point d'accès est réservé au personnel autorisé. Veuillez vous identifier. Annulation de la sécurité, habilitation maximale de l'utilisateur actuel. Un instant. Annulation validée. Habilitation attribuée. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? J'aimerais plus d'informations sur ce problème de sécurité. Ouais, carrément. Les informations sont disponibles sur ce sujet. Soyez plus spécifique. Quelle est la nature du problème ? De nombreux individus non identifiés dans le secteur des tunnels sud-est. Ces individus ont endommagé l'équipement du métro et refusé tout dialogue avec les unités de sécurité. Conformément au règlement de sécurité US A567/B, l'emploi de la force létale a été autorisé. D'accord. D'autres infos sur ces individus non identifiés ? Je regrette, les capteurs dont je suis équipé dans ce secteur doivent être endommagés. Les matériels indiquent que les individus ne présentent aucune signature thermique corporelle et émettent des quantités mortelles de radiation. Ah, d'accord. Ont-elles été Quelle unité de sécurité ont-elles été envoyées pour arrêter ces individus ? Capable de contrôler un grand nombre d'unités de sécurité. Mécanisé. Jusqu'ici, 22% de ces unités robotisées ont été affectées au problème en question. Ah ouais, vous avez quand même envoyé 20%, un peu plus. Quels dégâts ont causé ces machins non identifiés, ouais. Des relais d'alimentation majeurs de la ligne de la base aérienne d'Adams a été désactivé par le retrait d'un fusible principal. L'unité sentinelle principale dispose d'une pièce de rechange, mais je ne peux prendre le risque de réparer avant que le problème ait été réglé. J'ai une autre question. Système prêt. Est-il possible de réparer le train menant à la base aérienne d'Adams, ouais ? Négatif. Il est actuellement impossible de réparer la liaison ferroviaire avec la base aérienne d'Adams. Le problème de sécurité est réglé, l'état vert sera rétabli et j'autoriserai l'unité sentinelle à entamer les réparations. Ah oui, donc il faut que je nettoie et ensuite tu vas envoyer une sentinelle pour réparer. D'accord, ça marche. Il me faut des informations sur la base aérienne d'Adams. Spécifique, comment peut-on rejoindre la base en empruntant ces tunnels, ouais. L'accès à la ligne de la base aérienne. Oui, ça tu nous l'as expliqué, oui. Quelqu'un d'autre a utilisé le tunnel menant à la base? Ah ouais. Le dernier passager enregistré l'a été il y a environ 200 ans et 8 mois. Ouais, d'ici là, ouais. Et la rame en service ont été fermées pour motif de sécurité depuis les dégâts. Oui, en même temps, ma question était débile. Combien y a-t-il de troupes de l'enclave à la base ? Ah oui ! Je regrette, mais je n'ai aucune trace d'une enclave. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai une autre question. J'aimerais que tu désactives toutes les unités de sécurité. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai besoin d'en savoir. Alors, j'aimerais que tu désactives toutes les unités de sécurité. Non, ça pue. J'ai besoin d'en savoir plus sur toi. Des informations sont disponibles sur ce sujet.
Oui, soyez plus spécifique. Que signifie ton nom? Ouais. Margot est l'acronyme de Metro Authority Rapid Governmental Transit System. D'accord. Et quel est ton rôle? Ma fonction première est d'assurer la sécurité du réseau de métro présidentiel et de ses passagers. J'ai été installé et activé au sein du métro présidentiel le 14 avril 2065 et mise en marche à 5h20. Très précise, j'assure ma fonction première depuis cet instant. Ah ouais? Bonne soirée à toi, mon bon Balrog. Et je transmettrai, bien sûr. Je transmettrai. C'est une évidence. Des gros bisous et repose-toi bien. Tu sais quelque chose sur la guerre qui a eu lieu il y a 200 ans? L'interruption des communications m'a empêché d'en connaître les détails. Mais je suis consciente de la survenue d'événements. Cependant, tant que je serai en état de fonctionner, les directives demeureront en vigueur. Je vais intégrer à mes banques de mémoire informations que vous venez de me fournir. D'accord. Alors, tu dois comprendre qu'il n'y a plus rien à la surface. Les informations paraissent en adéquation avec celles que vous m'avez déjà transmises. En revanche, un tel événement ne remet nullement en cause ma fonction première. Ça me paraît admirable, mais superflu. L'unité centrale de traitement et de logique comporte de nombreuses possibilités de pensée et d'apprentissage indépendants. Cependant, ma fonction première prime sur tout autre et doit être accomplie jusqu'à ce que je devienne incapable de l'assurer. J'apprécie votre intérêt pour cette question. En prends note et l'intègre à mes banques de mémoire. Cool. Système prêt. Bon, après j'en ai pas une tonne hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, bah tu viens de me l'expliquer. Non, bah, je vais y aller. Bonne journée. Merci. Bon, et je vais supposer qu'il faut passer par là. Ok, bah c'est une bonne supputation. Oh. Bon, ça c'est les unités de sécurité, ça tire, ça me va. Mais c'est des ghouls! Oh non, mais les ghouls, je m'en fous! Ça, c'est pas un problème. Une belle journée de plus dans l'armée! Une pub avec des WC, j'ai pas le son donc je comprends pas, mais bizarrement, ça m'étonne pas de lui. Vous tirez sur quoi? Ah, mais c'est du. Oh! C'est du feral! Je comprends pourquoi pourquoi ça chie dans la colle quoi. Coup de 40 euros. Je pense que Jack va se débrouiller seul pour le changer. Oui, mais c'est bien de le soutenir aussi. Qu'ils comprennent que. Bah, il est pas tout seul, quoi. Oh.
noyer son chagrin. Il le sait qu'il n'est pas seul. Mais c'est important. C'est important. Qui utilise encore des dés comme disque système? Moi. Qui vient de dépasser les 10 000 abonnés. Ouais. Ouais, ouais, alors qu'il les a dépassés, c'est largement mérité de la, pour mon pote. C'est très largement mérité. L'eau sale. Bon, de toute façon, je vais subodorer qu'il va falloir repartir de l'autre côté, donc ça ne change rien au match. Par contre, mon Burnmaster a pris un tour, un tir. À cette distance? Oh ouais, je peux. Eh merde. Je pensais pouvoir tirer à travers, mais en fait, pas du tout. Cool. C'est chouette. Oh, d'une Coca-Cola Quantum. Oh bon, ça c'est cool. Ah, comme quoi. On peut faire de bonnes choses dans les métros. Ouais, bon, ça on s'en fout. On m'en fout. J'ai l'impression que je m'éloigne, mais... ou pas. Attendez, parce que je suis un poil paumé. Faut que je parte par où? Ouais, par là. Hein. Non, on va pas s'évaporer comme j'ai l'habitude. Je viens d'enfoirer. Non, non, bah non, non. Bah, ça ne me touche pas. Tu vis dans une région d'arriérés. C'est pas un souci. Tu es devenu comme eux. Personne t'en veut, va. Qu'est-ce que c'est? Un point assisté? Cool. Ah. Oh, le joli petit bug. Oui, je sais, Krampman. Oh. Oh, tonnerre de Zeus. Oh, bah oui. Oh, bah. Attendez, y en a deux? Ah non, c'est parce que ça fout un peu, d'accord. C'est tellement des sacs à PV que ça m'énerve. Oh bah oui, allez. Est-ce que j'ai quelque chose pour réparer mon lance-flamme? Ah, je crois que je suis un peu short pétrole. Je crois que j'ai pas de lance-flamme. J'ai récupéré beaucoup de cochonneries. Ouais, non, j'ai pas de lance-flamme. Un lance-missile? J'ai un permis pour ça. Bon bah, il a fait le boulot. On a carrément du feral, quoi. De ce que j'ai vu, il fait un carton le jeu. Je connais pas, jamais essayé donc. On a un étage, ok. Et on m'indique qu'il faut partir par là. Ouais, mais je veux visiter un peu. Le problème c'est que... Ah, désolé mon amour. On va écouter. Il voudra l'entendre. Mon amour. Ils m'ont trouvé. J'ai...
risqué de m'enfuir afin que nous soyons de nouveau ensemble. Je sais que tu as risqué ta vie pour me l'apporter. Fouillant les ruines, évitant les super mutants. Tout ça pour moi. Je crois que je n'aurai jamais l'occasion de voir ton cadeau. Garde-le et pense à moi chaque fois que tu le regarderas. Je suis désolée, mon amour. Tellement désolée de t'avoir abandonné. Tant de gens sont morts pour cette chose. Tant de cœurs ont été brisés. Rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Tu seras toujours avec moi par la pensée. Je t'aime. Oh, c'est triste. Oh, c'est tristouné. D'accord, nécessite une clé. Grave, les serveurs sont en PLS. Ça, c'est un petit studio niçois qui l'a sorti des victimes de son succès. Oui, oui, je sais. Je sais. Mais tant mieux pour eux, au contraire. Hein. Après, je t'ai lu mon bon binocle. Par contre, suis-je la seule à mal entendre la voix des PNJ? J'entends très bien ta voix, Franck, la musique, mais pas trop la voix des PNJ. Oui, parce que je ne peux pas... faudrait que je baisse la musique, en fait. Et même en baissant la musique, on va pas se mentir, c'est pas le top, quoi. Nécessite une clé. Oh, j'aime pas ce bruit. Ah, ça veut dire que je peux prendre le train ou comment ça fonctionne? Boîte électrique? Ouais, je peux pas tripatouiller, d'accord. Apparemment, tu m'indiques ça, mais avant de le prendre, on va un petit peu regarder ce qu'il y a dans le coin. Ouais, bon, c'est pas foufou, hein. Le paquet de clubs qui va bien. Oui, oui, bonne journée. Oh, activer la console du métro. Oh. On va prendre le métro. Aïe. Ouais. Cool. On sait bien, ça se frite, hein, de part et d'autre. Pourquoi pas? Hein? Bon. Ben, je suppose qu'on est à la base Adams. Je sais pas sur quoi je vais tomber. Bon, je suis pas inquiet, hein. Tu peux prendre le petit train jaune. C'est un peu plus fun que le petit train jaune. En plus, il y a du sang, Falcat. Oh. Non, sinon elle te l'aurait dit, Margot, qu'il fallait remplacer les fusibles. D'accord, donc ça va me permettre de passer. Ah, oh, mais il y a des cakes de l'enclave. Je les avais oubliés. Ils sont rigolos quand même. Et puis moi je les aime bien. Je t'ai vu. Oh j'aime. Il crie encore. C'est tellement cool. Level up. Expert en troc, tu ragages. Ami des animaux? Ouais, ça peut être pas mal. Vous savez quoi? Je vais prendre tueur de femmes. Ça me plaît, tueur de femmes. Allez. Ouais, le truc qui servait à rien, quoi. Ah si!
Système de contrôle des tourelles, trop tard. Elle n'existe plus, la tourelle. Ah, lumière. Récupérer ordre et matériel dans la caisse de logistique. Ouais, bon, bah on va tuer tout le monde, quoi. Yes, vous les entendez? Les hélicoptères de l'enclave. Allez! Bah. Quoi, c'est tout? Bon, moi perso, je m'en fous. Il y a une boîte de la confrérie. Ah, les ordres. C'est afin d'abaisser la rampe de la plateforme mobile. Ça marche. Ici le paladin Tristan. Si vous entendez ceci, c'est que vous avez franchi le métro présidentiel. Il ne vous reste plus qu'à affronter la base aérienne d'Adams. Selon nos éclaireurs, les commandes de tir du satellite porteur de missiles se trouvent dans la tour principale de la plateforme mobile de l'enclave. Le seul accès à la plateforme est une rampe qui s'abaisse depuis le poste de garde de l'enclave, dans l'ancienne tour de contrôle du trafic aérien. L'ouverture de la caisse a activé une balise. Nous allons en capter le signal et lancer l'assaut afin de protéger votre arrivée. Bonne chance, et le ciel vous garde. Merci. Oui, je sais, ce sont des vertiptères. Waouh. C'est joli. Et merde, j'ai pris un bloc, ce qui ne sert strictement à rien. Ah, système de contrôle des tourelles. Super. Oui, bingo. Désactivation. Ouais, suffira bien amplement. Elles ont fait leur temps. Alors, je vais me débarrasser du bloc que j'ai récupéré parce que ça m'alourdit bêtement. Je crois que ça porte le nom de porte-bloc, si je dis pas de bêtises. Ouais, porte-bloc. Voilà. Alors, je dois me rendre par là. Là-bas, c'est clos. Oui, non, mais elles sont désactivées, elles me tireront pas dessus. On va pas se mentir, on est plutôt paisible. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, il y a un enclavé, deux enclavés, trois enclavés. Qu'est-ce qu'on a par là? Là, il y a que dalle. Là, on a une tour. Oui, oui, tu m'as vu. Oui, oui, je sais. On s'est vu. Pas de soucis. Ça se passe combien de temps après la bombe atomique, en fait, ce volet du jeu? Je crois que c'est 200 ou 250 ans plus tard. Oh, la chance! Je sais, Falcat. La chance sourit aux audacieux. Que veux-tu? Et de 1. Voilà. Et on y va. Ils sont où les cakes? Ah, d'accord, ok. J'ai vu. Et de 1. C'est relou. Attends. Oh. Non. Et voilà.
Oui, c'est ça, hein, Falcat. C'est à peu près ça, 250 à 270 ans. Après, ça a vu de pif. Hein. Oh, système de tourelle, parfait. Mushroom. Non, perdu. Perdu. Alors, erreur OT, super. Alors, attendez. Yes. Erreur OT aussi. J'aimerais récupérer des tentatives. Erreur OT, d'accord. Bah, c'est Outcast. Bingo! Donc 200 ans après. Désactivation des tourelles. Allez, vendu. Je suppose qu'il va falloir passer par là. Ouais. Vous n'êtes pas plus désactivé que ça. Celles-ci, je pense qu'elles sont désactivées, c'est celles-là. Ouais, bah tonton Francky avait raison. Oh, pénible. Ah. Non, pas encore. Et boum. Non. 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 Oh. Et merde, j'avais oublié cela. Nombre de vertiteurs, c'est ouf. Mais il y a des moments où je manque de présence d'esprit. Hein. Ah, j'ai pas de cervelle. Attends, Coco, bouge pas. Et boum. Presque. En fait, le canon Tesla te permet de violer les vertiteurs, c'est fait pour. D'accord. C'est bien. Peine l'âge de Franck, je t'avais pas manqué. À vous. Si. Merci beaucoup, mon cher Fido. Ah, bonne Saint-Valentin. T'es mon amour. Merci beaucoup pour ton soutien, ma poule. Si seulement tu avais pris le Fat Man. Oh, ça va, vous allez pas m'en faire des caisses. Aïe. Oh, ça se tente, hein. Au pire, je le rate, ça va taper à côté. Je vais bien en toucher un. Dans le doute. Bon, bah, ça m'a tapé un juste en dessous. Des points d'expérience. C'est chiant. Arrête de me tirer dessus. Il est pas mouru. Eh oui, c'est le truc relou à descendre.
Et voilà, je l'ai eu. Et voilà. Ah. Mission réussie. Nettoyage complet. Qui est vivant encore là-dedans? Blagué, il y a encore des mecs vivants? Bon, bah on va redescendre, hein.